Stéphane. Donc on est où là aujourd'hui? Alors ici vous vous trouvez au chalet du lac, à Passamont-la-Rochère, aux confins des trois provinces. Vous êtes ici en limite de département de la Haute-Saône et des Vosges. Donc nous vous accueillons ici sur ce plan d'eau qui fait 9 hectares de superficie où l'on peut pêcher la carpe, la perche, le brochet, le gardon et toutes sortes de fritures. Vous pouvez ici vous restaurer également sur place à l'arrivée du site au chalet du lac. Juste à ma droite ici, les chalets de location qui sont réservés donc aux touristes qui veulent passer un séjour ici de calme et de pêche bien sûr, parce que c'est réservé à la pêche. Aucune embarcation n'est autorisée sur le plan d'eau. Il y a uniquement les pêcheurs qui viennent ici sur place. Il y a 6 locations de chalets qui sont prévues pour 6 personnes, dont 2 cabanes perchées dans les arbres. La pêche de nuit est autorisée dans la nuit du samedi au dimanche pour les résidents des chalets qui ont donc bien sûr une carte offerte avec la location. Pour les non-résidents, la pêche de nuit est autorisée seulement s'ils sont en possession d'une carte à l'année qui vaut 50 euros. Alors les dates d'ouverture sont de mi-mars jusqu'au 31 janvier. Après, la pêche ferme et les locations elles-mêmes sont arrêtées, les locations des chalets et des cabanes sont arrêtées. Donc nous serons évidemment ravis de vous accueillir ici pour une bonne partie de pêche et un peu de tranquillité, de calme, de camaraderie, voilà.